Yo, salut les renards, j'espère que vous allez bien, vous l'avez vu au titre de la vidéo et dans la miniature, aujourd'hui c'est vos achats à vous et on se retrouve pour l'épisode 4 des achats des abonnés, donc c'est tout simplement une vidéo avec une petite compilation de tous vos derniers achats, j'ai hâte qu'on découvre tout ça ensemble, franchement j'ai reçu beaucoup de messages et je pense qu'il y a des petites pépites, donc c'est génial. Et les gars, avant de commencer la vidéo, je tiens à vous annoncer quelque chose, il y a un gros concours, tout de suite maintenant il y a un gros concours. Donc déjà, si t'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi tout de suite parce que je vais faire gagner à un abonné de la chaîne pour Noël. Donc vous avez le temps de toutes les vidéos de novembre. Donc là, on est sur la première vidéo de novembre. Sur les 4 vidéos de novembre, vous allez pouvoir mettre des commentaires sur toutes les vidéos. Vous devez être abonné et avoir lâché au moins un commentaire sur la chaîne. Et je vais sélectionner un abonné pour lui offrir tout simplement, les gars, 250€ de sap ou de sneakers sur le site qu'il désire. Ça peut être sur We The New, ça peut être sur StockX, ça peut être chez JD, ça peut être chez Snipes, chez Footlocker, chez Courir, n'importe où, chez End, chez The Next Door, toutes les boutiques sont possibles et il peut choisir l'article qu'il veut, les articles qu'il veut. C'est simple, il a un budget de 250€ l'abonné et moi, il m'envoie des screens et je lui paye tout simplement tous ces articles-là. Donc voilà, c'est le petit cadeau pour Noël que j'ai envie de faire à la communauté. Donc si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de vous abonner parce que il y a un abonné qui repartira avec 250€ de sapé sneaker. Je pense que ça peut être très sympa et puis voilà, c'était un cadeau que je voulais faire à la communauté. Bref les gars, je vous prends pas la tête. Abonnez-vous pour gagner ce petit cadeau et on commence tout de suite avec la vidéo. Vous connaissez la musique, transition stylée. Bon les gars, première vidéo et la première vidéo c'est tout simplement Max. C'est un abonné qui avait déjà participé aux achats du mois et donc voilà, son blaze sur Instagram c'est maxime92-du-bas et on va voir tout de suite ce qu'il nous propose. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Il m'a envoyé ses derniers achats. Yo le renard, on peut toujours envoyer les achats du mois, je lui ai dit avec grand plaisir. Il m'a dit que c'était carré et il m'a envoyé ça. On va découvrir ça tout de suite et en plus de ça c'est un renard qui monte son visage et ça j'adore les gars. Vas-y, on découvre tout de suite. Tes achats, Maxime. J'espère que tu vas bien, je t'envoie cette petite vidéo. Ça va mon gars. Pour te présenter mes achats du mois, en espérant que ça te plaira. Et c'est parti, hein, let's go. C'est parti, du coup on va commencer, j'ai un petit t-shirt Carhartt à te montrer. Petit t-shirt Carhartt, noir, pas mal. Une petite poche, hein, classique. Donc franchement il fait le taf. Et on a très un cool. Petit... on a un motif dans le dos, voilà comme ça. Ok, c'est cool. Ah moi j'aime... Super sympa. Ouais, moi les motifs dans le dos donc, moins, voilà. Mais sinon ça il est cool. Le taf. Ah le petit Alzif. Pull zippé Carhartt. J'adore. Demi-zip, j'adore. Avec le petit logo sur la manche. J'adore. Franchement, pareil, hein, ça fait grave le taf. Pour l'hiver, il n'y a rien de mieux. Génial. Ensuite, quoi d'autre? Oh oui, petite doudoune Arte. J'ai pris la petite doudoune Arte achetée à Citadium à Paris. Très bon. Donc franchement... je savais pas qu'il y avait du Arte à Citadium. C'est incroyable. Cool. Bon, ça coûte quand même 270€ à peu près. Ouais. Mais bon, je pense que ça va me tenir plusieurs années, franchement, à pas se mentir. Franchement, elle est très très lourde. Elle a l'air d'être très 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 lourde. D'ailleurs, il faudrait que j'essaye moi Arte. Et ensuite, pour finir... Mais oui! J'ai une petite paire à te présenter. Aïe, franchement, une paire de NB. Je te montre la paire et j'explique ça. Donc, c'est la petite 2002 Air Protection Pack. Lavender. Purple Grey. Ouais. Franchement, je trouve que c'est très très beau. Putain de banger, elle est magnifique. Et pour la petite anecdote, en fait, je suis allé à Size à Châtelet et c'est Jojo qui l'a vendu. Jordi, très lourd. Grave plaisir de le voir. Et ouais, Jordi travaille à Size, les gars. C'est un gars qui l'a gagné, il est pas allé la chercher. Donc, ah, mais il m'a parlé de toi en plus. Il m'a parlé de toi. Petite réduc, franchement, ça fait grave plaisir. Ah, très très lourd. Je sais pas ce que t'en penses, toi, de cette paire. En plus, il a mis la petite réduc, le Jojo. Je pense que la communauté va la valider. Très 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 lourd. Je pense que ça t'aura fait plaisir, que t'as aimé mes petits achats et je te souhaite une bonne vidéo. De ouf. Merci, mon renard. Merci énormément. Franchement, top les achats. La lavandeur, je la valide, mais à 2000%. D'ailleurs, petit spoiler. Peut-être que dans le mois de novembre je vais l'acheter et je vous en ferai une petite review. En plus servi par monsieur Jojo chez Size, que rêver de plus. La petite doudoune Arte, franchement moi j'ai jamais encore essayé Arte, j'ai pas encore passé le cap, j'hésite de plus en plus à acheter du Arte, je sais pas, peut-être que je vais m'y mettre un jour, mais elle est très 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 lourde. Ta petite pata que t'as au pied pendant tout le long de la vidéo aussi, je valide juste moins le petit t-shirt Carhartt parce que j'aime pas moi les inscriptions dans le dos, mais sinon le sweat demi-zippé là, le petit crewneck demi-zippé de chez Carhartt, franchement, lui, il fait le taf, mon renard. Merci pour ta vidéo, merci pour ta participation. Et puis, peut-être au mois prochain ou dans quelques mois. Mais en tout cas, tes vidéos sont toujours de très bonne qualité. Et en plus de ça, tu fais des achats très, très, très mignons.
Ensuite, les gars, on a Melvin Da Silva, c'est un renard aussi qui avait déjà participé. D'ailleurs, c'est un des renards les plus fidèles de la chaîne, je le répète et je le dis encore, toujours là dans les commentaires. Bah, on va regarder tout de suite ses achats et puis on va commenter tout ça, les refs. Let's go. Salut Matt, donc je t'envoie une participation pour le prochain dernier achat des abonnés. Encore un renard qui monte sa tête, ça c'est lourd. Donc voilà, pour me faire un petit coin sneakers, ah, télé, les petits Kallax, c'est très bien, même moi j'en ai, c'est très efficace. Après, donc on a mon premier win sur SNKRS. Bravo, donc mon gars. C'est une paire que je voulais vraiment. Donc c'est la AG4 Purple Canyon. Très lourd. Donc, franchement, les matières sont super sympas. Ouais, c'est premium, donc, franchement, c'est cool. Tout ce qui est printemps, été. Je l'ai mis un peu avant que le temps se dégrade. Mais franchement, super confortable. Première Jordan 4 et j'en suis vraiment très satisfait. Très bon petit achat. Donc là, c'est plutôt un achat livre. J'adore. The Ultimate Sneaker Book. Je valide. Franchement, il est super sympa. Il y a plein de modèles que je connaissais pas. De chez Tashion Edition. J'ai pris plein de très lourd aussi, même s'il est en anglais, ça arrive à se comprendre. Donc franchement, super bouquin. Donc maintenant, on passe sur de la SAP. Donc, la petite chemise de Vincey. Donc j'ai reçu la chemise de la marque de Vincey. Très lourd. Franchement, j'en suis extrêmement content. Elle m'était un peu petite, mais là j'ai maigré, du coup. Et ben voilà. Ça m'allait mieux. Donc pour le prochain été, ça sera nickel. Donc voilà, j'ai suivi la tendance. Donc les t-shirts Uniqlo. T-shirt du mec cool. Donc celui-là et celui que je porte actuellement, franchement c'est super confortable. Je pense que je vais me les acheter dans d'autres coloris parce que vraiment c'est de ouais, t'as raison. Moi j'ai toutes les couleurs et franchement ça fait le taf. Une fois de plus. Donc là, Benfica. On est sur un ensemble de la saison 2001-2002 du Benfica. Donc j'ai acheté sur Vintage Football Area. Ok, cool. Donc vraiment j'en suis super content. Le sizing est un peu grand mais c'est le sizing de l'époque. Ouais, normal. Sizing de l'époque. Et j'ai vu le maillot, donc je vais peut-être du coup acheter le maillot qui va avec. Donc il y aura juste les couleurs qui sont inversées, donc le maillot il est blanc en beige comme sur la veste, avec du coup les bandes bordeaux. Très lourd. Et mon dernier achat, donc ça c'est le maillot du Benfica extérieur, donc de la saison actuelle. Ouais, de la saison actuelle, c'est ce que j'ai dit. J'ai trouvé les couleurs super sympa. C'est pas noir, c'est un petit peu bleu, je sais pas si on voit très bien. Et puis un détail qui tue, c'est sur le derrière, le petit tramway de Lisbonne. Et franchement, ça ajoute un petit truc, ça ajoute un petit détail super cool. Très cool. Et franchement, j'ai bien kiffé et je m'achèterai sûrement prochainement le maillot au domicile. Ouais, très cool, même pour aller faire du sport, c'est très cool. J'espère que mes achats t'auront plu. Bah, bien sûr, comme d'hab, frérot. Mois d'août, très très beau. Septembre, octobre, il y avait un peu les 3 mois dedans. Ouais, petite compile. Donc, génial. Donc, voilà. Merci. Continue comme ça, ta chaîne est super cool. Comme merci, 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 merci. Ah là là. Melvin, franchement, tes achats, ils sont top. Bon, moi perso, je suis pas pour Benfica, je suis pour le PSG ou pour l'Inter de Milan, français et italien. Donc, normal que je kiffe les clubs français et italiens. Mais sinon, franchement, j'ai grave kiffé tes petits achats. La Purple Canyon, elle est vraiment très cool. Le petit livre Ultimate Sneakers de chez Tashion Edition, je valide à 200%. Et puis après, l'ensemble Benfica, franchement, pour aller au sport ou quoi, c'est génial. La petite chemise de chez Monsieur Vincey avec le petit t-shirt basique de chez Uniqlo, Airism, c'est toujours très efficace. Franchement, tes achats sont toujours au top, mon renard. Merci encore pour ta fidélité. Et puis, on passe, les gars, à l'abonné suivant. Abonné suivant, et c'est tonton 97141, enfin 97141, très exactement, un abonné aussi fidèle de la chaîne et qui envoie régulièrement des vidéos. On va regarder tout de suite ce qu'il a, et juste à regarder le début de la vidéo, il y a de la New Balance, les gars, donc c'est sûr que je vais kiffer. On regarde ça tout de suite et on découvre ça ensemble, les refs. Salut les renards. Aïe. Ce mois-ci, qu'est-ce qu'on a fait? 991. Très très cool, petite en 991 41. En 41, très cool. 991 pour ma copine en 38. Let's go, le petit couple en 991, c'est très très cool. La Tamsach, très très lourd, 41. Que j'ai eu aussi. Bruxelles. Aïe. La skunk. La petite skunk. Une petite pata. Une AJ4. La Black Canva. Tu t'es fait plaisir, tonton. Tu t'es fait plaisir, mon coquin. Et la petite pata. J'aime pas trop la couleur, moi j'aime bien quand même. Ah, moi aussi je kiffe. Hein. La blanche. Je kiffe. On a des goûts similaires. Voilà, moi tranquille. Bon, il y a des petits t-shirts aussi. On a des goûts similaires. Hein. Petit t-shirt de Manchester City. Ça, c'était quoi? C'était Argentine? J'ai pas vu. Arsenal. Ouais, Arsenal là. L'Ajax. Ajax, ok, trop lourd. Et franchement, les renards, vous êtes vraiment des oufs parce que là, vous êtes un peu dans les maillots de foot là en ce moment. Deux abonnés d'affilée et deux qui ont acheté des maillots de foot, ça me fait rire. Il y a encore une petite vidéo pour tonton avec une Yeezy 700. Je vais allumer ça et je vais regarder ça tout de suite. Ah, la petite Azael, Yeezy 700 Azael et encore une 991. Très, 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 très lourd. Ah, tonton, tu t'es fait plaisir. Hein. Tu t'es fait plaisir. À mon avis, tonton, il m'a envoyé directement. En fait, il m'a envoyé un achat et le temps que je tourne la vidéo, il a
copes d'autres articles, donc c'est pour ça qu'il m'a envoyé la petite vidéo avec, n'oubliez pas, le petit chien, le même que Sid dans Toy Story, la petite ref. Merci tonton pour tes achats et on passe tout de suite à l'abonné suivant. Abonné suivant, et c'est mon gars Enzo. Je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était lui qui m'avait fait cop ma première Mirage Grey sur le site de chez New Balance. Il m'a envoyé salut aujourd'hui, petite présentation de mes achats de septembre et d'octobre. J'espère que vous allez kiffer les renards. On va regarder ça tout de suite. Et encore une fois, un renard qui monte sa tête. Et ça, les gars, je kiffe de ouf. Et vous êtes plusieurs à revenir à chaque fois. Et franchement, je kiffe parce qu'on crée vraiment une communauté. Bah, les viewers, eux, ils voient ma tête tous les dimanches. Mais maintenant, ils vont aussi apprendre à vous reconnaître. Et je trouve ça grave stylé. Bref, j'arrête de parler. On découvre les achats de Enzo, les refs. Salut à tout le monde. Aïe. Mon petite présentation du coup de mes achats de septembre et d'octobre. Let's go. Il y a eu du renouveau, du sympa et des choses qu'on a déjà vues. Let's go, on regarde ça tout de suite. On commence sur un petit pull sympathique de chez Zara. Ouais, voilà, je cool, un peu velours côtelé, un peu, on dirait. Style old money. Ouais. Comme on dit maintenant, c'est un petit peu revenu. Je me suis pris cool, petit polo de chez Raflo, très cool. Beaucoup trop petit, donc voilà. Et en high-tech, du coup, je me suis pris. C'est Apple ça ? AirPod Max. Ouais, AirPod Max de chez Apple. Mais c'est vraiment ça. À éviter pour la salle. Ouais, non, pour la salle, c'est mieux les AirPods. Avec la transpiration, ça va se mettre dedans, c'est pas fou. Très, 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 très lourd. Ensuite, on a quoi ? J'ai arrêté parce que j'ai plus de batterie. Donc là, je reprends un full zip de chez Divine by Divine. Ok, oh, full zip un peu comme les sharks. Ok, très lourd. Il est cool. Je connaissais pas. Je connaissais pas, frérot. 350 grammes, je crois, GSM. Et voilà. Il est un petit peu épais. Pour le prix, c'est sympa. 90 balles. Il a toujours des bons petits plugs, lui, hein, le Enzo, là. Un petit stone. Très très belle pièce, donc ce que j'ai eu à mon anniversaire. Il a été gâté. Sun Island, voilà. Ah, franchement, c'est cool. J'aime bof la couleur. Vraiment, la veste est trop belle. Moi, c'est la couleur que j'aime pas. Ouais, moi, j'ai du mal. Avec la couleur, j'ai du mal. Mais après, c'est normal si toi, tu kiffes. Mais franchement, moi, j'ai juste du mal avec la couleur. Il y a encore un petit achat. Je regarde ça tout de suite. Deux paires, du coup, très très sympathiques. Ouh, deux sneakers. Il y a deux sympas. Très très cool. Allons-y, allons-y. Un mois et demi, deux mois, il y a eu quelques raffles, tout ça. Donc, voilà. Ah, la petite 2002. Je pense qu'il y en aura. Ah, et pas mal qui ont... Mais bien sûr, Protection voilà. Pack, la Lavender et la Pink. Protection Pack. Donc, du coup, ici on a l'Arctic de base Purple. Ah, moi les bleus, quoi, la peur. Ah, ouais, elle est trop cool. Celle-ci, du coup, payée resell sur GOAT. Ok. Donc, sans frais en plus, ce qui est vachement cool. Et celle-ci, payée retail sur New Balance. Très cool. Voilà, on rock fort à la salle de partout. Oh là là. C'est parfait. Très très cool. Enzo, et tu déchires mon gars. Préfère entre les deux. Et puis voilà. Ah les gars, Enzo il vous demande qu'est-ce que vous préférez entre les deux, entre la pink et la blue du coup, donc la purple normalement, donc la lavender. Moi perso, je pense que je préfère la blue. Et comme je vous ai dit, normalement, incessamment sous peu, vous allez aussi la découvrir dans mes achats. Merci en tout cas Enzo, toujours un plaisir de te voir. Et en plus, il y a à chaque fois, il y a une petite pièce ultra sympa et tu fais découvrir des petits trucs. Franchement, c'est ultra interactif. Merci mon ref et à bientôt dans les achats des abonnés. T'es le bienvenu, tu connais déjà. Et puis on passe à l'abonné suivant, les refs. Bon, les refs, je dis tout le temps que j'ai envie de faire passer tous les renards. Et là, il y en a un qui me dit, donc c'est shad.cpla. Je lui dis, ouais, envoie-moi non pas des photos, mais des vidéos. Il m'a dit que c'était impossible pour lui d'envoyer des vidéos. Donc, il m'a envoyé des photos. Allez, les gars, petite exception. Même si je préfère les vidéos, on va regarder les petites photos de Shad. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a une petite NB 2002R à 140€ sur Zalando. La Black White avec, vous savez, juste au-dessus du gel énergie en beige. Franchement, c'est assez sympa. On a quoi d'autre? Et on a une petite paire de Jordan Military Blue, il me semble. Et un petit cargo à 6€ acheté sur Vinted. Voilà, voilà. Bah, merci mon renard. Comme quoi, je fais passer vraiment tout le monde après les refs. Comme je vous l'ai dit, je préfère largement que vous m'envoyiez des vidéos. C'est largement plus simple et je trouve que c'est beaucoup plus interactif. Mais bon, voilà. Il y en a qui peuvent pas, donc je vous fais passer quand même. Merci, Shad. Et puis, la prochaine fois, frérot, n'hésite pas. Petite vidéo. Et tu passes dans les achats du mois, on passe à l'abonné suivant, les refs. Bon les gars, nouveau petit renard qui est jamais passé sur la chaîne, c'est Rick May et il a envoyé un max de vidéos, les refs. On va ouvrir ça tout de suite, on va découvrir tout ça ensemble. Allons-y. Salut Matt, j'espère que tu vas bien. Salut mon gars. Les petits renards vont bien aussi.
Donc aujourd'hui, je vais te présenter quelques petits produits que j'ai achetés récemment. Ok, ok, vas-y. Que je commence, je tiens à dire que je suis acheteur-revendeur, donc il n'y a pas beaucoup d'articles que je vais te présenter aujourd'hui parce que je m'y prends un petit peu tard et du coup, il y a plein d'autres articles que j'ai déjà vendus, comme par exemple des Jordan 5 Oreo de 2013 pour te donner une petite idée. Ok, lourd, lourd, lourd. Petit reseller. Il y a aussi quelques petits articles que je vais revendre actuellement, donc que je vais te montrer tout de suite. Ok, let's go. Bon, les gars, et si vous êtes intéressés parce que Rick vend, bah n'hésitez pas à aller sur son Insta, de toute façon vous le voyez à la capture d'écran. Allons-y. Alors, vendre donc deux pantalons Carhartt simples, bien connus. Petit pantalon Carhartt. Donc un noir, un marron. Ok. Pour ceux que ça pourrait intéresser, donc celui-là c'est un W30 L32 et celui-là c'est un W28 L30. Donc pour les tailles, voilà, c'est assez simple, c'est bien connu, c'est assez soi que j'aime beaucoup. Ok, lourd, lourd, lourd. Ensuite, j'ai acheté un article pour moi cette fois-ci. Petit sac je Nike. Trop swag, le petit sling bag de chez Nike, un peu vintage. Donc ça coûte une blinde quand même pour un petit sac comme ça, mais à porter, c'est super bien. Je vois un peu comment ça fait. Moi, après, j'aime pas, mais je trouve que ça va bien sur les mecs. Bien. Je kiffe cet article. Très cool. Donc à présent, je vais passer sur la partie sneakers. Ça, les gars, j'ai du mal. C'est des paires de chaussures, j'en ai trois à présenter. C'est dégueulasse. Assez original. Moi, j'aime pas. Ouais, original. C'est rare. Et puis je vais t'expliquer pourquoi tout simplement. Donc, ouais, franchement, ça j'aime bof les refs. De Air Max 95 Uptempo, donc c'est le papa de la Air More Uptempo, hein, la paire chaussure la plus connue. Ouais, très cool. En termes de Uptempo, donc je la trouve incroyable. Vernis okay. bleu. Ok, moi bof. Je suis moins fan. Ça, ce bleu-là, si je suis pas très fan. Elle est assez originale, donc mes paires, je pense pas beaucoup de gens qui vont les aimer. Non, c'est une paire de joueurs de l'OM, frérot, ton truc. Et donc voilà, c'est une paire assez rare, j'aime pas avec. Et à la revente normal. Sur StockX, elle coûte 1000 balles, en 44 en tout cas, ma taille c'est du 44. Donc voilà, moi je la trouve insane, hein, clairement. Moi ouais, insane, donc, ouais. Par contre, ouais, ce qui est dommage, c'est que comme je suis un petit collectionneur... Bah vas-y frérot, okay, on passe à autre chose. Ensuite. Adidas, une paire très originale, attention. C'est une collaboration avec Atmos. Ok. Donc... Attends, il y a du papier parce que la paire est neuve, hein. Elle est clairement neuve. J'aime pas non plus. C'est donc des frérot, c'est quoi Patchwork. Ah, moi j'aime pas, moi. Donc collaboration avec Atmos. J'aime pas. Dites-moi, les refs, si vous aimez bien, mais moi perso, c'est pas mon style. Elle est très spéciale. Moi je suis rétro running, là j'arrive pas, moi, tous ces trucs-là. Les couleurs qui font rappeler la couleur de l'automne un peu. J'ai porté ça justement pour l'automne. Ah ouais. Avec une petite doudoune sans manche beige qui rappelle les couleurs. Ça passe crème, tu vois. C'est les paires simples. Du coup, celle-là, vu qu'elle est en collab pour une édition spéciale, ça passe de ouf. Et donc, celle-là, apparemment. Moi, j'aime pas. Bref. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dernière paire, bon, je t'avais mis une dernière paire. Back, hein, mais ouais. Pas besoin de revenir dessus. Voilà, c'est swag, c'est noir. Très cool. Et ensuite, montre-moi un truc beau, frérot. Te loupe pas. Jordan. Moi, j'aime pas là. D'origine, que c'est pas une Jordan comme les autres. Non, j'avoue, la boîte a l'air d'être pas mal. Petite Jordan 4 rétro SE. Pareil, c'est une Jordan. Je sais pas c'est quoi. Vraiment pas connu. J'aime bien la 4 en plus, donc ça peut me plaire. Tu peux te rattraper. Jordan 4, mais le nom n'est pas du tout connu. C'est la FIBA. Ok. Alors j'ai vu personne là. Ça ressemble un peu à une Toro Bravo. Je la trouve complètement folle. Bon, elle est rouge, hein. Elle est très rouge. Ah, elle est cool. Elle est cool. C'est pas évident à porter. Elle est cool, ça je valide. Mais en fait, je trouvais le design complètement fou et très original. Ouais, franchement, j'aime bien. Je connaissais pas et franchement, j'aime bien. Mais attends, je vais te sortir la deuxième chaussure. Elle est plus. Ah, elle est cool. Et en plus, à la place de la grille, il y a des petits designs, c'est sympa. Mais je laisse le lacet rouge, on fait full rouge, nous. Donc voilà, j'aime bien. Je la trouve complètement folle. Avec, tu sais, au lieu du grillage du coup. Exactement, c'est ça qu'il disait. Je sais pas ce que ouais, ça, ça je kiffe. Mais ça je kiffe. Voilà, ouais, faut se renseigner, mais ça je kiffe. Et tu les retrouves aussi sur la boîte. Ça c'est très très beau. Très 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 beau. Bon, trop... Franchement, mon gars, tes achats. Alors, les pantalons que tu vends, les Carhartt, franchement, je valide de ouf. La Air Jordan 4 rouge, là, je la connaissais pas du tout. Franchement, elle est incroyable. J'adore. Par contre, t'as une tempo de joueur de l'OM et t'as Adidas bizarre. Ça, je valide pas. Mais après, on achète ce qu'on veut. Tant que toi, tu kiffes et que c'est à ton goût, tant mieux, mon renard. Et puis, on passe à l'abonné suivant. On continue les renards avec GRM Pit Street qui envoie « Salut les renards, encore des nouveaux achats » et on va regarder ça tout de suite. Let's go, on appuie et on découvre. Yo mon gars. Donc je vous présente mes nouveaux achats. Ah, c'est quoi ça? Le jeu du gouffre. Voilà. Oh, le jeu du gouffre. Il y a pas longtemps. Très très cool. Du coup, t'es obligé d'avoir ce jeu quand tu kiffes le rap. C'est un jeu qui a été créé par le groupe Le Gouffre, justement. Ok, qui faisait des mixtapes à l'ancienne et tout. C'est une pièce de collection que je laisse dans le plastique. Ah, trop lourd. Avec le cerveau des Tortues Ninja, le bout. Trop lourd. Ah, c'est un jeu d'alcool. Ah, ça, les gars, moi, je suis pas dans la team alcool. Je trouve pas mal.
normal. Mais bon, le jeu a l'air cool. Et là, cette paire dont t'as parlé avec Kreska, oh voilà, bon, que j'ai jamais pu avoir quand j'étais gosse. Bien, 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 c'est quoi? C'est Total 90 ou quoi? Eh ben, je l'ai acheté maintenant, j'ai trouvé 2-3 sites qui la vendaient encore okay. en neuf. Et mais c'est en la neuf de l'époque, avec la boîte de l'époque. Mais non. Du coup, voilà, c'est une paire, comme je disais, j'ai n'importe quoi, carrément. Parce qu'à l'époque, t'avais ça, c'était classe. T'es quoi, 9? Voilà, t'en as parlé avec Kreska dans une de tes vidéos, donc... Normalement, c'est Total 90. Je pense que c'est une Total voilà, 90. C'est plus pareil, une paire de collections. Si c'est ça, je kiffe de ouf. C'est vraiment pour rappeler la nostalgie de l'époque, tu vois. Ouais, bien sûr. Voilà. Total 90, toute neuve, les gars. N'importe voilà. quoi, donc, c'est trop lourd. Tard l'époque, tu vois. À l'époque, t'avais ça, c'était la classe. Là, maintenant, c'est moins, mais bon, neuve. Petite paire de collection, quoi. Mais d'époque, hein. C'est vraiment une paire d'époque qui a jamais été portée. Trop lourd. Grave, grave voilà, lourd. Donc, je kiffe. Autour de 50 euros, je crois. Ok. Et du coup, 50 euros en neuf. Une paire sur Vinted aussi. Ah ouais. Et celle-là, je la porte plus souvent, du coup. Comme ça, je peux poncer celle-là, tu vois, sans abîmer celle-ci. Allez les renards, à la prochaine. Yes, à la prochaine mon gars. Bon, le jeu du gouffre, moi je suis pas trop en mode jeu d'alcool, etc. Mais je trouve que c'est vraiment stylé. Rien que la boîte là, avec le petit cerveau là, le méchant qui était dans Maître Schneider, je crois, dans les Tortues Ninja. Et le bout quand il est gros, celui qui transforme bah, les personnes en petits chocolats. Ça franchement, j'adore. Franchement, les achats sont cool. Le petit pantalon Adidas, c'est un classique de chez Classique. Et tu m'as grave étonné avec la paire de Total 90. J'avoue, je mettrais plus ça maintenant. Mais pour la nostalgie, etc. Et pour une petite pièce de collection, je valide de ouf, ou pour aller faire un petit five entre potes, c'est sympa. Bah merci mon renard, franchement étonné de tes achats. Et puis on passe au dernier abonné, les renards. Bon les refs, c'est pas le dernier abonné, mais c'est l'avant-dernier abonné qui est juste là, c'est Alex Rodriguez. Et quand je clique, j'ai plus l'impression qu'il s'est trompé de vidéo, parce que là, il y a Vla les Pères mis par terre. Je pense pas que c'est ses derniers achats. On va voir bah, ce qu'il présente, mais j'ai l'impression que le mec, il a voulu nous faire un All My Sneakers des abonnés. On va regarder vite fait la vidéo, on lance ça et on voit ça tout de suite. Salut Matt, moi je te salut mon gars. Les achats de ces deux derniers mois. Ok, allez, bon, je pense pas que c'est ça. Alors, une petite Yeezy 352 Black Corvette que j'ai commandé. Ok, petite Yeezy, ensuite. Ensuite, un banger, hein. Une Jordan 1 High Shattered Back Door 1.0. Ça, c'est très très lourd, ça. Cette paire est incroyable. Très 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 lourd, mon gars. Bah voilà, pour mes achats de ces deux derniers mois, je pense. Bah, écoutez, ok. Hein, abonnez-vous à la chaîne de Matt, c'est le meilleur. Franchement, merci mon gars, merci, merci mon gars. Bon, j'ai pas trop compris parce qu'il y avait plein de paires mis sur le sol, mais en fait il nous a présenté uniquement la Shattered Backboard et son autre paire, c'était la paire de Yeezy 350. En tout cas, bah, c'est deux très bons achats. Perso, je préfère la Jordan 1 Shattered Backboard, qui est pour moi un des grâles si tu kiffes vraiment la Jordan 1. Greska et Jordi l'ont dans leur collection, ils peuvent en témoigner. Et puis voilà, t'as l'air d'avoir une très belle collection au passage. Donc merci mon ref, j'espère juste que t'as pas sorti toutes ces paires juste pour me faire la vidéo, parce que ça me gêne un peu. Du coup, t'as l'air d'avoir une très belle collection, continue ta passion. Puis voilà frérot, si tu veux repasser dans les achats du mois, il n'y a aucun souci, tu es le bienvenu. Et là cette fois-ci les refs, on passe au dernier abonné. C'est bon les gars, on est sur le dernier abonné et ensuite la vidéo touchera à sa fin. N'hésitez pas, n'oubliez pas, petit commentaire, en ce moment il y a le concours pour Noël, donc sur tout le mois de novembre, je vais sélectionner un abonné pour lui offrir 250 euros de sapes et sneakers dans la boutique de son choix. Donc n'hésitez surtout pas, il aura juste à m'envoyer des screens et je lui prendrai bah du coup tout ce qu'il veut pour 250 euros. Donc n'oubliez pas ce petit concours. Et puis bah on termine avec Marley Hopking qui bah nous présente ses derniers achats. Let's go mon renard, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bonjour les renards, je vais pas louper l'épisode 4, je commence tout de suite par des vidéos, voici mes dernières pépites et on découvre ça tout de suite. Let's go. Tous et voici. Bonjour mon gars. Première pépite. Là, je me suis dit. On dirait du Burberry Babe. Je vais commencer à me mettre hype de chez Hype. Hype. Et voici aussi le petit Marvel que j'ai pris sur. Ok. Petit hoodie Marvel, très cool. On continue avec Projet X Paris. Ok. Est. Ah, c'est une bombe, une tuerie. J'aime bien la veste, j'aime moins la marque. Il y a aussi Uniqlo. Ouf, ça, je kiffe. Co. Ouais, ça, je kiffe. Aussi Cause Uniqlo, très lourd. Ça. Moins fan, pour moi, salopette, j'aime moins. Que je kiffe. Merde, ça a bugué ou pas? Non, non, ça a pas bugué. Let's go, mon gars. Désolé. Donc, ça, c'est la marque Devred qui fait ça. Ok. Ça, franchement, ça passe super bien avec ce que je vais vous montrer en dernier. Ça. Alors là, ça, c'est. Un petit babe. Must be du must. Ok. C'est The Pépite. The Pépite. Ça, c'est une marque
italienne. Je sais pas si vous connaissez Domi Noir. Ouais, Domi Noir, c'est la, très lourd. Et la petite collab avec DBZ. Avec Tortue Génial, ça c'est incroyable. Oh non, le Gohan, avec le grand-père Gohan. Ça c'est Uniqlo Cause. Uniqlo, c'est une marque que je kiffe. Très cool. Pin-up, j'adore. Ouais, même moi, j'aime beaucoup. Et j'adore surtout que si on met ça avec cette petite veste. Ouais, c'est très cool. Super bien. Ouais, c'est très cool. J'aime bien. En sneakers, qu'est-ce que tu as, mon gars? Petite collection de exactement deux paires. Ça. Ok, c'est pas les derniers achats, mais c'est un peu la collection. Ok, ok, pas mal. Ah, c'est cool ça. Voici tout ce que j'ai en ce moment. Aïe. Aïe, très très lourd avec la petite dédicace à la fin, comme quoi il regarde une vidéo. Merci Marley, franchement top. Donc il y a des choses que j'aime bien, d'autres que j'aime moins, mais en tout cas il y a de très 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 belles pièces. Et quoi qu'il arrive, ça a l'air de faire des petits outfits vraiment sympas. Donc voilà, merci pour ta participation. T'étais le dernier renard à passer sur la vidéo. Franchement, les refs, vous m'avez régalé. C'est la première fois, je crois, qu'il y a autant d'abonnés qui participent aux derniers achats. Et bah franchement, je suis ravi. N'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos. Donc ça se passe sur Instagram. Vous vous abonnez à mon Instagram au passage. Vous m'envoyez des petites vidéos. On discute ensemble. Et puis, bah moi, j'ouvre vos DM dès que je fais le tournage. Et comme ça, je peux regarder vos vidéos derniers achats. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi de faire mes achats et juste derrière, découvrir les vôtres. C'est génial. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé les achats de la communauté. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. N'oubliez pas le petit concours sur tout le mois de novembre pour essayer de remporter le maxi cadeau de Noël. Donc, je le répète, 250€ dans la boutique de votre choix. Vous m'envoyez les screens, j'achète ça pour vous et je vous envoie ça chez vous. La seule condition, c'est juste d'être abonné à la chaîne et d'avoir au moins lâché un commentaire sur les dernières vidéos de novembre. Je peux pas faire plus, les refs. Je pense que c'est déjà très cool. Je voulais vous remercier pour la fidélité que vous m'apportez sur la chaîne depuis maintenant 2 ans. Donc, voilà. Bref, je vous retarde pas plus longtemps. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend à l'heure où vous regardez cette vidéo. Portez-vous bien. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, la mif.